Salut à tous et à toutes, c'est Max15. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur tout simplement Redfall. Nous allons commencer ce nouvel épisode en faisant la mission Situation Funèbre. Voilà, nous allons accepter cette mission et nous allons la faire. Cancer. C'est triste à dire, mais je suis content qu'elle ne soit pas là pour voir ce qui arrive à Redfall. Elle adorait cet endroit. Elle m'adorait. Elle adorait mon père. Mais il y a un mois, il a disparu. Je suis persuadé que ce sont ces monstres qui l'ont pris. Mais j'ai sa montre de poche. Elle est dans notre famille depuis longtemps. J'espérais que vous puissiez faire quelque chose pour moi. Accepteriez-vous de la prendre et de la déposer sur la tombe de ma mère? Au moins comme ça, ils pourront être réunis. Ça n'a l'air de rien, mais c'est important pour moi. Je vous en serai très reconnaissant. Merci. Donc, notre mission est de déposer une montre sur la tombe de la mère de Dr. Hunt. Mais nous allons aller faire ça. Je me tairai pas. Dites ce que vous avez à dire. Vous avez envoyé des gens à Evom. Vous les avez laissés aux mains de ces monstres. Je sais ce que j'ai fait, et je ne peux plus rien y faire. Des gens d'ici sont morts à cause de vous. Vous ne savez pas, Anna. Non, Evom a eu ce qu'il cherchait, parce que vous le leur avez donné. C'est vrai. J'en suis en partie responsable. Terence, tu... Bien, j'espère que ça vous hantera à jamais. Certainement. Bon. On va y aller. Ouais, j'y vais. Je vais aller déposer ça sur la tombe de sa maman. Bien sûr, il faut que je trouve le point. Là. Ok. Je vais placer le marqueur. Et nous allons... Ok, ça c'est le marqueur. C'est quoi là? Il y a un truc là, attendez, j'ai ma manette qui fait n'importe quoi, c'est horrible. Ah, laisse-le, on y va. Et si on voit un vampire, on n'hésite pas à le buter. En attendant, on fait cette mission, en espérant que cet épisode vous plaira. Donc on fait mission par mission, hein. On n'enchaîne pas deux missions ou trois missions, on fait une par une. Comme ça, les épisodes sont pas trop longs pour vous, et comme ça, vous n'avez pas l'ennui de ça, quoi. Je vais pas tirer sur ça. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est que... fait nuit, mais en vrai, comme ça, on voit aussi, c'est vraiment... Ok. Il y a un vampire là-bas. Qui flotte dans l'air. Cette zone là je vais pas y mettre les pieds parce que c'est hyper dangereux et donc j'aurai pas le choix de me le faire. Bah il va, vampire entendu. Ok. Mais par contre, ce qui m'inquiète, c'est le vampire. Ah, il est là. On va se le faire. On va se le faire. Maman, au secours. Salope. Voilà. Objectif atteint. Bah ouais. On va pas aller dans la zone rouge, c'est beaucoup trop dangereux. C'est stylax, hein. On sent une petite pression quand même dans le jeu.
c'est la... Oh putain, j'ai peur. Oh putain. Je vais faire le tour. Refuge, ok. Ah. Je crois que la zone rouge, c'est là où il peut avoir un vampire qui apparaît, je crois. Je suis pas sûr, mais de là. On dirait une sorte de refuge. C'est l'endroit idéal pour se retrancher et faire des stocks. Ouais, bah. Après l'avoir nettoyé. Il y a eu des bruits. Ok, il y a un vampire là-bas. Faut pas y prêter attention. Tout ce que veut, c'est d'aller dans le cimetière et faire ce que le docteur machin nous a demandé. Cimetière veut dire vampire. Exact. Poche de sang! Ah, ça explose! Putain, ça explose! C'est mieux. Putain, ça explose, c'est bordel! C'est des poches de sang! Oh! Bon. Oh putain. Il y a deux vampires. Oh putain. Deux putains de vampires. Putain, elle est là-bas, la tombe. Je vais essayer d'être silencieux. Ok, je suis silencieux. Allez. Je peux la voler, mais je vais pas la voler. Retourner à la caserne. Ok. Parfait. Vous savez quoi? Pour le plaisir. On va se le faire, hein. Alors toi, mais c'est quoi cette arme de merde? Oh la... Oh, tu vas crever. Salope. Voilà. Oh. Les sangsues ont disparu. Pour l'instant. C'est mieux. Ouah, le stress. Voilà, j'ai enlevé le point. On va aller à la caserne. Et la caserne, elle est là. Hop, voyage rapide, ça va plus vite, forcément. On a fait ce qu'il nous a demandé. On va faire le plein de soins et tout le bazar. Je crois que c'est le mieux à faire avant de terminer la mission. Ce serait pas divin. Plein de munitions. N'oubliez pas de prendre soin de vous aussi. Ouais, tracasse pas. Je te l'ai déjà dit, je ne veux pas partir. Alors. Vous avez fait une sieste? Vous allez avoir besoin d'énergie. Ouais, mais. C'est pas tranquille. Je veux savoir où sont les trucs là. Les... Ah, je vois le logo. Attendez. Il est là. Bonjour. Comment allez-vous? Ouais, ça va, ça va.
Voilà. Bon. On en parlera plus tard. La prochaine mission sera offrir l'avenir. Voilà. Ce sera celle-là. Partez pour la clinique. Ce sera partir dans une clinique. Voilà, ce sera ça notre prochaine mission. On fera celle-là. Celle-là, elle est réussie. Ok, bon, les petits potes, vu que c'était une petite mission bien cool, bien flippette, on va pas en recommencer une autre qui sera peut-être plus longue. N'hésitez pas à vous abonner, commenter, liker et partager un maximum. C'était Max de 15. Et on se retrouvera demain pour l'épisode de Minecraft Chill. Rendez-vous demain soir pour l'épisode Minecraft Chill, les petits potes. Et puis voilà. Ciao tout le monde, c'était Max de 15. Bye bye à tous.